It's my pleasure now to welcome Ambassador Elisa Goldberg, head of the permanent mission of Canada. Afterwards, I will invite the United States of America. Excellency, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Chair. Excellencies, dear participants, on behalf of the Government of Canada, I'm delighted to extend my appreciation to the United Nations Office for Disaster Risk Reduction and to the Swiss government for convening this very important meeting. Canada welcomes the global platform's focus on mainstreaming disaster reduction at all levels and maintaining the momentum towards reducing risks and reinforcing resilience in our communities. This forum provides a valuable opportunity to share multi-stakeholder experiences and lessons learned, to examine those areas that require further attention, and to assess how best we can address current and future challenges that face us all. The execution of the existing Hyogo Framework for Action and the development of its successor framework will remain a key focus between now and 2015. In this regard, Canada recognizes the efforts to date on the part of UNISDR to initiate early consultations and to ensure member states and all stakeholders are given the opportunity to voice their views on future potential approaches. From Canada's perspective, we will want a post-Hyogo framework that is pragmatic, action-oriented, and emphasizes the key role of prevention and mitigation in building resilient communities. We do not believe that a radically new framework is required. Instead, our focus should be on implementation and practical actions that we can take together and individually to further build resilience. Strengthening the resilience of communities to disasters, natural or otherwise, continues to be a priority for Canada, both domestically and at the international level. The Government of Canada takes a comprehensive approach to disaster reduction and resilience building, recognizing that reducing and mitigating risks and vulnerabilities is far more effective than responding after the fact. We are very aware of the high cost in terms of lives lost, livelihoods disrupted, growth and development gains lost if we do otherwise. Domestically, in 2010, the Government of Canada established Canada's Platform for Disaster Risk Reduction as part of our commitment to deliver on the Hyogo Framework for Action. Canada's multi-stakeholder platform, which includes numerous partners, including the private sector, researchers and academics, governments at all levels, Aboriginal communities, NGOs, and the Canadian Red Cross, has three shared goals of first, promoting a safer and more resilient Canada by advancing work to reduce risk, vulnerability, and impacts of disasters on Canadians. Second, leveraging existing networks to enhance coordination of disaster risk reduction across sectors. And finally, enhancing knowledge and information sharing and ensuring science and policy linkages. Monsieur le Président, le Canada focalise de plus en plus son attention sur la prévention des catastrophes et l'atténuation de leurs effets. Le Premier ministre Harper s'est engagé à examiner l'élaboration d'un programme national d'atténuation des effets des catastrophes, en partenariat avec les provinces et les territoires, étant entendu que les mesures d'atténuation peuvent réduire les conséquences des catastrophes pour la collectivité. Ce nouveau programme s'inscrit dans une approche intégrée, vise à renforcer la gestion des urgences au niveau national, avec un accent plus marqué sur la résilience durable des collectivités. Le Canada s'emploie aussi à élaborer une stratégie nationale pour la résilience, qui permettra d'accroître les efforts de prévention, de préparation et l'atténuation à l'échelle nationale et avec les partenaires divers. Il est à noter que, en reconnaissance des efforts canadiens antérieurs, le prix Sassaskawa des Nations Unies pour la prévention des catastrophes a été décerné à la ville de Vancouver Nord l'année passée. Par ailleurs, dans le cadre d'initiatives pour des villes résilientes des Nations Unies, 7 villes canadiennes font actuellement partie du groupe des villes résilientes des Nations Unies
et 11 autres poursuivent les formalités en vue de le devenir. Monsieur le Président, sur le plan international, le Canada plaide résolument en faveur de mesures de réduction des risques de catastrophe qui permettent d'accroître la résilience et réduire la vulnérabilité des collectivités des pays. Nous continuons à promouvoir et appuyer des initiatives visant à réduire les risques de catastrophe, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre d'institutions multilatérales et régionales existantes. Nous insistons également sur la nécessité de promouvoir une participation à part égale des femmes, des hommes, des filles et des garçons aux activités de réduction des risques de catastrophe, conformément à l'objectif énoncé l'année dernière par la Secrétaire générale des Nations unies. Dans cette optique, la réduction des risques de catastrophe demeure un domaine d'action important pour les efforts de stabilisation ainsi de l'aide humanitaire et au développement du Canada, dans l'ensemble de l'Amérique centrale et les Caraïbes, de même qu'en Asie du Sud-Est. Nous continuerons à investir afin de renforcer et de promouvoir les efforts internationaux, régionaux, nationaux et aux collectivités pour se préparer aux risques de catastrophe. Cela comprend la prévention, l'atténuation, l'intervention et le redressement. Pour terminer, j'aimerais réaffirmer l'importance que le Canada attache à ce dispositif et aux questions cruciales débattues dans le cadre de sa plateforme nationale. Nous sommes manifestement conscients des avantages d'une approche inclusive et participative pour promouvoir la réduction des risques de catastrophe et l'atténuation des effets. De concert avec toutes les parties prenantes et tous les partenaires, nous continuerons à promouvoir la réduction des risques de catastrophe pour que nos collectivités et nos pays soient plus résilientes face au type de catastrophe qui nous fait. Merci pour votre gentille attention.